Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui il est temps d'aller vous donner mes ultimes conseils sur Xiao. Donc comment le build niveau artefact, quelle panoplie utiliser, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors bien sûr on va parler du set de pièces Anemo qui est excellent, mais j'ai un autre set à vous conseiller avec celui-ci qui est plutôt pas mal. Je ne l'ai pas vu beaucoup circuler, il est très situationnel en fonction de votre team, mais ce sera peut-être une découverte pour vous. On sera en live débat mardi à 19h sur Twitch. Donc comme d'hab les liens sont dans la description, c'est M-O-H-A-S-M-T. On va parler de tout, autant la résine que des primos. Et on va recevoir aussi des copains youtubeurs Genshin. Donc n'hésitez pas à passer, je pense que vous les connaissez. Je ne vais pas dire de nom pour vous laisser la surprise, mais ça sera vraiment bien bien cool. Donc 19h mardi. Deuxième chose, toujours sur Twitch. Donc ça va être que le live invocation de Xiao sera bien ce mercredi. On débutera à 19h30 et on fera les invocations vers 20h30 pour laisser autant de tout le monde arriver. Donc ne ratez pas ça, ça va être juste incroyable. On va aller chercher Xiao plus l'arme. Première fois que je vais invoquer sur la bannière arme, ça va être juste ouf. Donc venez nombreux. Et la dernière chose qui concerne encore une fois Twitch, et oui on fait énormément de choses sur Twitch, c'est vraiment une très belle plateforme, donc n'hésitez pas à passer, je vous invite vivement à le faire. On fera un live marathon à 18h, donc le samedi qui suivra la sortie de Xiao. Donc le samedi 6 à 18h on démarrera live marathon. C'est quoi live marathon? Bah en gros on va démarrer 7h de live, donc au moins minimum jusqu'à 23h. Et plus il y aura de subs, donc plus le live durera longtemps. La dernière fois qu'on a fait ça, on a fait un live 24h qui était juste incroyable. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, tout est dans la description encore une fois. Comme d'hab, si vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite à laisser votre pouce bleu sur celle-ci et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Merci beaucoup pour le soutien encore une fois, on est parti. Place maintenant aux artefacts et on va commencer très fort avec bien sûr la panoplie Anemo. Le set de deux pièces est excellent. On rappelle que Xiao va tout simplement avoir un ultimate qui va enchanter tous ses coups de base de l'élément Anemo. Et il va avoir un dash donc en compétence qui va être faisable deux fois, voire trois si vous avez une constellation dessus. Donc il a vraiment une grande majorité de dégâts Anemo. Et c'est dommage de ne pas bénéficier de boost comme celui que nous offre cette panoplie. Pourquoi? Parce qu'il va nous offrir 15% de dégâts Anemo, ce qui est juste incroyable sur Xiao. Si vous voulez voir d'ailleurs la review sur quelle arme est la meilleure pour Xiao, je vous la mettrai sur le bouton i juste ici, on l'a déjà fait. Et franchement, vous n'allez pas être déçu. Concernant le set de 4 pièces, celui-ci ne va pas être très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un set de support. Il va augmenter du coup les dégâts infligés par dispersion de 60%, donc la réaction élémentaire de Anemo plus un autre élément. Et en plus de ça, il va baisser la résistance élémentaire de l'autre élément de 40%. Donc par exemple, si on met Xiangling avec Xiao et qu'elle met son Gouba, en fait, vous allez tout simplement baisser de 40% la résistance Pyro. C'est clairement un set de support et il ne va pas du tout sur Xiao. Donc on privilégiera le 2 pièces et on va l'accompagner quotidiennement de ça. Pourquoi le set Gladiateur? Parce qu'il va nous offrir 18% d'attaque. Donc c'est excellent parce que les 18% fonctionnent sur les dégâts Anemo autant que sur les coups basiques. Mais attention parce que le bonus offre 18% d'attaque mais les pièces sont très dures à drop. Je m'explique, on les drop seulement sur les boss du monde ouvert avec un taux qui n'est pas fou. On peut drop des éléments de la panneau bande vagabonde ou de la panneau gladiateur et on n'a pas forcément celle qu'il faut. Donc si vous n'avez pas des bons items gladiateurs, ne vous orientez pas vers cette panoplie là. C'est vraiment du bonus les 18% d'attaque. Si c'est pour avoir des items pas terribles, essayez plutôt d'aller chercher des items d'autres panoplies. Pas forcément qui vous donnent un bonus, mais qui contiennent au moins un bon taux de critique, un bon dégât critique et pourquoi pas de l'attaque pourcent pour Xiao. Le principal, ça va être vraiment le bonus de 2 pièces du set Anemo qui là pour le coup. Les 15% de dégâts Anemo, sachant que les dégâts élémentaires sont la stat la plus forte du jeu, sont irremplaçables même si vous avez juste des stats attaque pourcent. C'est vraiment assez indispensable. Par contre, comme je disais, le set gladiateur, les 18% d'attaque, on peut s'en passer. Donc, si vous n'avez pas vraiment de bons items, privilégiez d'autres artefacts. Vous pouvez même jouer, par exemple, une fleur amour chéri si elle donne de l'attaque pourcent, du taux de critique et des dégâts critiques à foison. À la place de jouer ce set là, parce que clairement si vous avez 3 excellentes pièces
de panneaux qui sont distincts, par exemple une dompteur de foudre, une pyrobate et une amour chéri, mais qui donnent tous un taux de critique et des dégâts critiques incroyables. N'hésitez pas à faire le choix de prendre seulement le set Anemo et après de ne privilégier aucun set. Grand débat sur la question du set noble, pourquoi? Parce que comme vous le voyez, il augmente les dégâts infligés par les déchaînements élémentaires de 20%. Ces dégâts-là, beaucoup se demandent si ça marche sur les dégâts donc, de ses coups de base, sachant que quand il met l'ulti pendant 15 secondes, ses coups vont être enchantés, vont avoir des dégâts supplémentaires. Eh bien la réponse est non. Les seuls dégâts qui sont augmentés, ça serait les dégâts de l'ultimate. Si par exemple, lorsqu'il projette son aura au début avec son animation, celle-ci faisait des dégâts, c'est ça qui sera tout simplement boosté. Les dégâts après qui proviennent de boost ne sont pas du tout concernés par ce boost-là. Et donc, cette panneau est inutile sur Xiao. Si vous avez de bons items dessus, vous pouvez les mettre, mais sûrement pas pour bénéficier du bonus panneau qui ne sert strictement à rien. La panneau chevalier ensanglanté va être, pour moi, très mauvaise. Comme on l'a dit, Xiao fait majoritairement des dégâts animaux, il fait très peu de dégâts physiques. Seulement lorsqu'il n'est pas sous ulti, le but c'est qu'il soit un maximum sous ulti. Donc, cette panneau n'est pas bien pour Xiao. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des très mauvais items gladiateurs en second choix, si vous avez vraiment des items de fou en chevalerie ensanglantée, vous pouvez mettre 2 pièces. Le boost de 25% de dégâts physiques ne va pas servir à grand chose, mais ça sera quand même un petit plus. Quitte à avoir aucune panneau, pourquoi pas, si vous avez des très bons items dessus, rajoutez celui-ci. Mais pour moi, il y a une panneau dont pas beaucoup de personnes parlent, mais qui peut être très bien. Malgré qu'elle soit situationnelle, ça va être la panneau metteur inversé. Alors, je m'explique. Dans le futur, en fait, pour la 1.3, c'est confirmé que Zhongli aura les changements qui ont été apportés. C'est-à-dire que le bouclier Zhongli va tout simplement bénéficier de 20% de baisse de résistance sur tous les adversaires autour. Sachant que si Zhongli met le bouclier et qu'on chance pour Xiao, vu que Xiao saute partout et est très mobile, c'est pas un très bon perso pour être support par des persos assez statiques, par exemple comme Xiangling qui va mettre son Gooba qui va rester à une place, ou encore Bennett qui va mettre une zone, mais on va pas forcément rester dans cette zone là. Avec Xiao, on va être très mobile, on va bouger partout, on va sauter, on va faire plein de dégâts. Et clairement, je pense que Zhongli est le meilleur support pour lui. Pourquoi? Parce que le bouclier, peu importe où il est, sera actif et va baisser de 20% la résistance des adversaires, ce qui est juste assez fou. Apparemment, la baisse de stats du coup de la résistance est équivalent à le boost de dégâts. Donc, c'est comme si on avait à peu près 20% de dégâts anémaux, ce qui est juste incroyable si on baisse de 20% les dégâts anémaux. Après, un petit différentiel, lorsqu'on passe en dessous de 0, c'est réduit de moitié si l'adversaire a 0 de résistance. Mais pour le coup, le bouclier de Zhongli peut être incroyable dessus et c'est pour ça que la metteur inversée peut être pas dégueu. Bien sûr, si vous avez des très bons items dessus. Parce que Xiao va perdre énormément de vie lorsqu'il va taper 2% des PV actuels. Donc ce set n'est pas complètement inutile malgré ce que beaucoup pensent. Et clairement pour ce cas-là il faut avoir Zhongli ou Xin'an. Ça peut marcher avec Xin'an ou encore une fois Noël. Donc si jamais vous avez en second choix, bien sûr comme j'ai dit en premier choix, c'est la panneau Gladia 2 pièces plus la panneau Anemo. Mais si dans la panneau Gladia 2 pièces vous n'avez pas de bons items et vous avez de bons items dans cette panneau là, bah, n'hésitez pas à la prendre, elle peut servir à renforcer le bouclier. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les panneaux qui pouvaient être intéressantes. Celle-ci ne va pas l'être, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour faire des réactions élémentaires avec Xiao. Lorsque Xiao change, en fait, lorsqu'on change de perso, il va perdre son ultimate. Donc, cette panoplie-là sert strictement à rien pour moi. Et tout le reste, ça va être des boosts d'un élément dont on n'est pas concerné ou de soins. Donc, je pense vous avoir présenté toutes les possibilités qui pouvaient être intéressantes d'un premier point de vue, mais qui n'étaient pas forcément, ou l'inverse, avec peut-être la panneau mettant à inverser. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre votre petit pouce bleu et à vous abonner. Ça ferait grave de chez grave plaisir. J'espère en tout cas que je vous ai appris pas mal de trucs, que j'ai pu vous aider à avancer sur le build de votre Xiao. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou soirée. N'oubliez pas les annonces en début de vidéo. Rejoignez le Twitch qui est dans la description. On enlève d'ailleurs tous les jours dessus à 19h30. Je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invocations. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.